messieurs, ce match face à l'Allemagne, mercredi au Stade de France, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour l'équipe de France? C'est un gros match. Je pense que c'est contre une grande nation, une des meilleures nations au monde. Et je pense que se mesurer, on va dire, à cette formation-là, cette équipe-là, je pense que ça va nous permettre à nous de rester, j'espère, sur la continuité de ce qu'on a démontré dernièrement, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, rester sur cette continuité-là. On les avait joués déjà l'année dernière à la même époque, ça fait juste pratiquement un an et c'est une grande formation avec des joueurs de classe mondiale qui jouent dans les meilleurs championnats, on va dire, les meilleurs clubs d'Europe. Donc c'est une grande nation avec ils sont tout le temps là dans les grandes compétitions, que ce soit en Coupe du Monde ou au championnat d'Europe, ils sont toujours dans le dernier carré. Donc on les connaît tous, parce qu'ils sont tous connus et c'est des grands joueurs et j'espère qu'on va se montrer au niveau. L'objectif principal, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. On sait très bien qu'il y a aussi l'Espagne aussi qui est là. On aura ce match retour contre l'Espagne qui s'annonce passionnante et qui s'annonce, on va dire, hyper importante pour la suite. Bien avant, bien sûr, on aura la Géorgie. Mais bien sûr que c'est notre, on va dire, objectif principal, parce que faire une Coupe du Monde, d'autant plus au Brésil, c'est quelque chose de fabuleux.